Maintenant, c'est à nous de faire croire, de faire agrandir notre foi. C'est à nous d'amener notre foi à un niveau où elle bouge des montagnes. Parce que la Bible nous dit que la foi s'agrandit. La Bible nous dit que la foi, même quand elle est petite, comme une petite graine, elle agrandit. Elle devient comme tout un arbre. Et cet arbre, même les oiseaux peuvent venir se mettre dessus, et cet arbre peut donner l'ombre à beaucoup de gens. C'est ça la foi. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le mystère dans le royaume de Dieu. Et c'est ça le mystère de la foi. Parce qu'il est écrit aussi quelque part qu'il est grand le mystère de la foi. Alors, ce mystère de la foi, on l'a par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à croire. Quand on écoute les bonnes choses dans la parole de Dieu, quand on écoute que Dieu est bon, c'est là le départ. Parce que si on ne croit pas que Dieu est bon, on ne peut pas croire obtenir quelque chose de lui. On doit mettre dans notre tête, que Dieu est bon. Dieu est un bon Dieu. Dieu est bon. Il y a une chanson que les enfants d'Israël ont chantée quand ils partaient au combat. Contre des ennemis, trois pays, trois groupes qui étaient contre eux et ils étaient très nombreux contre eux. Quand les enfants d'Israël sont partis dans le combat, ils ont chanté « Dieu est bon. Louez l'Éternel, notre Dieu, car il est bon. Car sa miséricorde dure pour toujours. » Ils sont partis au combat avec cette chanson. Et cette chanson était la force de leur foi. Ils ont mis leur foi dans la bonté de Dieu. Alors, ça, c'est notre point de départ. Que Dieu est bon. Dieu qui est bon, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, de mourir pour nous sur la croix. Alors, Dieu bon, il donne son Fils unique, Jésus-Christ, de mourir pour nous sur la croix, pour notre rachat. Alors, c'est bon Dieu. Quand on...